Bonjour à tous. Bienvenue dans cette méditation guidée pour vous rendre dans les années 1980. Certains d'entre vous aimeraient probablement se rendre à Hawkins, là où se déroulaient alors les événements très étranges de la série Stranger Things. D'autres préféreront se rendre ailleurs et simplement profiter de cette époque marquée par les vinyles, Metallica, les bornes d'arcade, les rollers et couleurs fluo. Qu'est-ce que j'aurais aimé vivre à cette époque? Heureusement pour nous, il existe un moyen pour y retourner qui est à la portée de chacun d'entre vous. Le shifting, ou la capacité de se rendre consciemment dans un univers précis pendant son sommeil. C'est une expérience merveilleuse que je me réjouis de vivre avec vous aujourd'hui. Commencez par prendre une position confortable. Nous allons, étape par étape, nous endormir dans un retour en arrière de plusieurs décennies. Réjouissez-vous, car cette expérience est réellement troublante pour ceux qui ne l'auraient jamais vécue. Dans un premier temps, concentrez-vous sur votre respiration. Laissez les pensées aller et venir, sans les juger, bonnes ou mauvaises. Revenez simplement à votre respiration le plus souvent possible, en focalisant votre attention dessus. Prenez une grande inspiration, retenez l'air un instant, soufflez. Continuez comme cela pour encore quelques respirations. Afin de nous plonger dans le décor, je vous laisse imaginer, au son de ma voix, ce que vous allez vivre cette nuit. Imaginez un monde sans smartphone, où Internet n'est encore qu'une idée étrange n'ayant pas encore vu le jour, où les gens vivent en bande et se retrouvent le soir au clair de lune pour discuter des heures de leur vie simple mais confortable. Imaginez un monde où les préoccupations sont plus simples, plus tangibles, et où les relations sociales prennent plus de sens que jamais. Ce monde, vous pouvez le rejoindre chaque nuit à la suite de l'une de ces méditations grâce au pouvoir des rêves lucides. Une fois que vous serez dans votre rêve, vous pourrez alors ouvrir un portail vers ce monde, vers cette époque, vers Hawkins, mais cela nécessite un peu de préparation. Commencez par vous visualiser dans l'un de vos derniers rêves, peu importe lequel. Si vous n'avez aucun souvenir, pensez simplement à vous en train de marcher dans votre quartier. Imaginez à quoi il ressemblait dans les années 80 et visualisez-vous regarder votre main pendant que vous marchez pour vérifier qu'elle soit normale.
Lorsque vous serez endormi, vous regarderez également votre main, mais elle ne sera pas normale. C'est ainsi que vous saurez que vous êtes dans un rêve. Continuez ainsi cette visualisation pendant quelques instants. Lorsque vous serez prêt à glisser dans ce nouveau monde, vous sentirez alors de légers picotements sur votre peau, ainsi qu'une légèreté totale, qui sera le signe que vous êtes en train de vous endormir. C'est le moment le plus important de la méditation. Restez concentré sur votre visualisation, qui prendra forme, qui vous semblera de plus en plus réel, jusqu'à devenir votre nouvelle réalité. Réalité qui pourrait bien vous garder avec elle pendant longtemps. Aussi, profitez de chaque instant que vous aurez pour explorer, toucher, parler, goûter ce que vous trouverez de plus agréable dans ce songe. Concentrez votre attention sur votre vue, sur les images que vous pourriez voir apparaître. Si vous ne voyez rien, concentrez-vous alors uniquement sur vos paupières. Faites exactement la même chose avec les sons. Focalisez votre attention sur ce que vous entendez, proche comme loin, pendant quelques instants. Pour finir, posez votre attention sur votre corps et toutes les sensations qu'il perçoit. Continuez ainsi sur chaque sens pendant quelques minutes. Vous n'allez pas tarder à entrer dans votre rêve.
gardez au maximum votre attention portée sur vos sensations. C'est ainsi que vous saurez quand vous êtes arrivé à destination. Profitez bien de votre voyage, que je vous souhaite magnifique, long et plein de bons souvenirs à ramener demain matin dans votre vie. À bientôt.